Une évasion réussie dépend de trois choses. Connaître les lieux. Tout savoir sur la routine. Et une aide à l'extérieur ou à l'intérieur. On a un évadé. Ray Breslin est capable de se barrer de n'importe quelle prison conçue par la main. Nous testons un prototype de pénitencier pour les criminels dont plus aucun gouvernement ne veut entendre parler. Ceux qui financent le projet veulent s'assurer qu'on ne peut pas s'évader de ces lieux. Le contact sur place? Le directeur s'appelle Roger Marsh. On commence quand? On a commencé. Bienvenue dans votre nouvelle demeure. Je suis le directeur Hobbs. Hobbs? Où est le directeur Marsh? Il n'y a pas de directeur Marsh. Faites-moi des potes, t'en auras besoin. Barrez-vous. Qu'est-ce que tu faisais avant de débarquer ici? Mon boulot, c'est de m'évader de prison. T'as pas l'air aussi malin. Tu t'es vu? Ceux qui ont payé pour que tu sois ici veulent que tu y restes à vie. Ray a franchi la grille. Long code, le tombeau. Si Ray est quelque part, c'est ici. C'est où, ici? On m'a tendu un piège. Quelqu'un veut m'enterrer. Je vais découvrir qui et je vais découvrir pourquoi. Je marche. Faudrait faire diversion. Ok. Tu frappes comme un végétarien. Ça, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il manigance? Il prépare une évasion. Processus de verrouillage enclenché. Remettez ces rats dans leur cage. Si je sors pas d'ici, je te tue. C'est bonne guerre. C'est terminé! Dites à ceux qui m'ont enfermé ici que je vais réduire cette prison en cendres.